sur l'alliance de la grâce. Comme vous le savez, je suis en train de parler, ça fait 2-3 semaines, nous parlons sur la grâce. Et cela de façon imagée. Nous avions étudié notre thème principal depuis des semaines. Es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Et la dernière fois, nous avions parlé sur chasse la femme esclave et son fils. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'alliance de la grâce. Bien-aimé, quand nous parlons de la grâce, nous devons savoir qu'il est question d'une alliance. Mais déjà, je me l'ai dit, parlons de l'alliance. L'alliance de la grâce, c'est une alliance pas contractuelle, mais une alliance d'adhésion. Bon, yokani yangolo, et ça pour yokani qui est au Wapimoto. Ah, après c'est lié kasi, ma kotisiye. Parce que généralement, quand nous parlons d'alliance, ça sous-entend deux personnes ou deux parties qui se mettent d'accord sur des choses à faire et à ne pas faire. C'est en quelque sorte un contrat. Un arrangement établi. Cela veut dire entre les parties, il y a le droit et les obligations. Chacune des parties a des choses à faire et à ne pas faire vis-à-vis de l'autre partie. Et c'est de cette manière-là que l'alliance fonctionne. Et lorsque les clauses de l'alliance sont brisées par une des parties, l'alliance entre en difficulté. C'est ainsi que nous trouvons l'alliance dans toutes les sphères de la vie. Il y a des alliances économiques, il y a des alliances financières, il y a des alliances politiques. C'est Jacob. Et bien aimé, vous verrez que les alliances montrent toujours des limites et acquisent toujours des faiblesses. Cela est lié aux hommes qui ne sont pas parfaits. Mais l'alliance dont je vous parle ce matin, c'est une alliance excellente. C'est une alliance parfaite. C'est une alliance qui ne souffre de rien. Et c'est ainsi que pour que cette alliance soit parfaite, c'est une alliance contrairement à toutes les alliances où il n'y a pas un contrat qui unit deux parties. Il y a des obligations et des devoirs mutuels. Mais il est question d'une alliance d'adhésion. Il y a d'un côté les garants de l'alliance et de l'autre côté, ce sont des gens qui doivent adhérer, entrer, venir dans cette alliance. Et qui me dit amen. Amen. C'est ça l'alliance de la grâce. Et bien aimé, nous sommes régis sous cette alliance de la grâce. Et je suis venu dire à quelqu'un déjà que tu n'es pas sous une alliance quelconque, sous une alliance des hommes, sous une alliance de la loi, mais tu es sous Amen. Une alliance de la grâce. Et bien aimé, parlons des alliances
Historiquement, il y a eu plusieurs alliances. Mais sans rentrer dans les détails de chacune des alliances, parce que le temps nous fait défaut, je vais tenter d'énumérer quelques alliances. Mais déjà, je vais te fixer que l'alliance dont je te parle, l'alliance de la grâce et la dernière alliance. Après cette alliance, il n'y a pas eu une autre alliance. Et après cette alliance, il n'y aura pas une autre alliance. À cause de la perfection de cette alliance. Si les alliances ont changé, ont évolué, c'est parce que les alliances ont trouvé des difficultés. Les alliances qui ont précédé étaient émaillées de beaucoup d'imperfections et de faiblesses. C'est pour cela qu'il y a un changement d'alliance. Et bien aimé, une alliance imparfaite appelle une autre alliance. Et l'alliance excellente a avalé toutes les alliances antérieures. Et elle reste, elle demeure parce qu'elle est parfaite. Gloire à Dieu, parce que c'est sous cette alliance que moi je me retrouve. C'est sous cette alliance que toi tu te retrouves. Et lui se retrouve. Que peut les gens commencer à sentir la joie que moi je ressens. Parce que j'appartiens à une alliance qui ne faillit pas, qui ne faillira pas, qui ne disparaîtra pas. La Bible l'appelle l'alliance éternelle. Amen. C'est l'alliance de la grâce. Bien aimé, l'alliance historiquement a commencé avec Adam. Dieu a fait alliance avec Adam avant sa chute. Et Dieu a fait alliance après Adam, après sa chute. Parce que Dieu fonctionnait avec les alliances. Mais vous verrez, la première alliance avec Adam, c'était le contrat de Dieu avec l'homme. Et dans cette alliance, Dieu exigeait l'obéissance à l'homme. Cette obéissance était liée à la promesse de vie. La pénalité de la désobéissance, c'était la mort. Adam et Eve ont désobéi. Et Dieu a prononcé la sentence. Mais le Christ, c'est Christ, a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. La mort de Christ a abrogé les effets de la mort d'Adam. Et le mot misala ya kufa na Adam. Quelqu'un me suit? Après la chute d'Adam, Dieu vient faire une autre alliance avec l'homme. Dans cette alliance, je parle de Satan, je ne parle pas de Dieu. La deuxième alliance après la chute, l'alliance était initiée entre Satan et l'homme. Dieu promet par son amour la défaite de Satan. Et cette promesse a été totalement accomplie par Jésus-Christ à la croix. Après cette alliance, il y a eu plusieurs alliances, notamment la plus importante,
qui a de l'influence encore aujourd'hui sur nos vies. C'est l'alliance d'Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Et dans cette alliance-là, Dieu a répété cette alliance à Isaac, à Jacob, et ainsi de suite. Une alliance qui a été célébrée par les salimistes. Dans cette alliance avec Abraham, Dieu a donné plusieurs promesses. Mais cette alliance d'Abraham, c'était une alliance, Dieu a dit, éternelle. C'était déjà l'alliance de la grâce, mais dans l'Ancien Testament. L'alliance de Dieu avec Abraham, c'était l'ombre de l'alliance que nous jouissons aujourd'hui au travers de Jésus. Premier élément dans cette alliance, il y a eu plusieurs promesses. Cette alliance était éternelle. Cette alliance existe et influence nos vies jusqu'aujourd'hui. Et pour comprendre que cette alliance était une alliance de grâce, dans cette alliance, aucune condition n'était jointe à l'alliance. Contrairement à d'autres alliances, où Dieu dit à l'homme, tu dois obéir, tu vas dire, on compte ça, tu obéis, tu as la vie. Tu désobéis, tu as la mort. C'était un contrat. Mais avec l'alliance d'Abraham, Dieu vient, il fait alliance avec Abraham. Il ne dit pas seulement avec toi, mais avec ta postérité. Et Dieu commence à expliquer à Abraham, ta postérité viendrait de deux manières. Regarde sur le sable. Le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité sera grande comme le sable que tu vois près de la mer. Comme tu ne seras pas les compter, tu ne sauras pas non plus compter ta postérité. Ça, c'est la postérité physique, matérielle. D'Abraham. Il lui dit, regarde encore en haut. Il y a une autre postérité. Quand tu sauras compter les étoiles du ciel, je te donnerai une autre postérité. Et par cette postérité, toi et moi, nous sommes venus. C'est la postérité céleste d'Abraham. Et Dieu a dit, mon alliance sera perpétuelle. Perpétuelle. Et aucune condition n'est donnée. C'est ainsi que quand on parle d'Abraham, la Bible dit, quand Dieu a visité Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham. Abraham n'a rien obéi. Parce que l'alliance n'exige aucune obéissance. Mais la Bible dit, Abraham crie. Abraham a dit, il crie à l'Éternel. Et Dieu lui impute la justice. Ça veut dire que la justice d'Abraham, ce n'était pas le fruit de la méritocratie. C'est ainsi que ce n'est pas un hasard. Et la Bible nous laisse les ouvertures de faiblesse d'Abraham. On va nous dire comment Abraham a menti. On veut s'expliquer, non, ce n'était pas du mensonge. C'était de la sagesse, c'était du mensonge. Dieu voudrait montrer que Abraham que je choisis, avec qui je fais alliance, c'est un homme imparfait. Mais parce qu'il croit à ce que je lui dis, je lui impute cela à justice. C'est là qui ont sagesse, c'est là qui ne l'occupe pas. Ils ont un côté de ça, Abraham a eu un apôtre, à sa motoro et à cocater. Mais le côté apôtre, la cocater est tout le monde à côté. Dans l'alliance avec Abraham, Abraham n'avait le devoir que de croire. C'est ça l'ombre de l'alliance que nous jouissons aujourd'hui. Et après Abraham, il y a eu beaucoup d'alliances. Et notamment la plus grande alliance qui nous met en confusion. C'est l'alliance du
mont Sinaï. Oh, la mont Sinaï. L'alliance de la loi. Oh, la mont Beko. Et dans l'alliance de la loi, vous verrez qu'il y avait des obligations et il y avait aussi des devoirs. Vous comprenez ce que nous avons ça là? Dieu a dit à Moïse, quand vous faites ça, donc vous allez, il y aura la bénédiction. Papa, vous allez, vous allez. Et quand vous faites ça, donc, vous allez, il y aura la malédiction. C'était l'alliance de la loi. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes même qui bougent payer les dîmes aujourd'hui. En disant que la dîme faisait partie de loi de Moïse. Effectivement, parmi les lois que Dieu a donné à Moïse, il y avait les lois liées à la dîme. Mais la dîme que nous payons, ce n'est pas la dîme de la loi de Moïse, mais c'est la dîme qui est plus ancienne que la loi de Moïse. Parce que Abraham, il était le premier à payer la dîme. La dîme, il l'a pas payé devant un homme. Mais Abraham a payé devant Melchizedek. Il a payé devant Dieu. La dîme de tous ses revenus. C'est par là que nous disons, la dîme est antérieure à la loi. Il y a une confusion. Quand on peut demander alors, tu n'as pas payé la dîme. Et pour corriger, le temps où tu n'as pas payé la dîme, il faut payer un quinzième. Ça, c'est la loi et non l'alliance. Ah, oh, comme mon père, c'est mon égalité. Ça, c'est la méritocratie. C'est la loi de Moïse. Qui a dit celui qui n'a pas payé la dîme? Pendant un temps, il doit, avant de continuer, il y a un combat, il doit payer la pénalité. Tout, mais dans la grâce, dans il n'y a pas de pénalité. Et vous allez venir le jour où tu te rends compte que je me comporte mal. Je ne paye pas la dîme. Je ne paye pas le 1/15, mais viens toi-même devant Dieu. Pour dire à Dieu, je demande pardon, je prends une décision, je vais commencer à payer la dîme. Amen, Jésus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quand on vous amène la loi sur la table, voilà, j'explique historiquement. D'où est venu ce principe? C'est un principe de la loi. Et nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous l'alliance de la grâce. La différence entre la loi et la grâce, c'est quoi? La loi, l'homme devait conjuguer le verbe faire. Mais dans la grâce, l'homme doit conjuguer le verbe croire. Croisement, tu seras sauvé. Mais la loi, il faut faire. On ne fait pas à la loi. On est sous la grâce. Amen. Es-tu fils de la femme libre ou de l'esclave? Il faut bien lire les Écritures. C'est comme cela que la loi est venue avec Moïse. Cette loi a montré ses limites. La loi a montré l'imperfection. La loi nous a révélé le péché. Et moi, je me sens mis sous mon. Le péché. Sous mon. Paul dit, j'ai connu la convoitise par la loi. Pour la mina d'ailleurs qui conduit là, dans la et la loi a amené l'abondance du péché. Mais mon béco et me mettre ma soumoué matin ton là. Et de cette abondance du péché, la mort. Mais la côté de ma soumoué koufa. Il a fallu que la grâce vienne. Et c'est là qu'est ce que tu as. C'est ainsi que la cohabitation de Ismaël et Isaac était impossible. Alors comment est-ce que
Parce que Ismaël incarnait la loi, Isaac incarnait la promesse faite par la grâce. C'est alors que Dieu va dire à Abraham, fais ce que ta femme te dit, chasse et l'enfant et son fils. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la famille. Cela veut dire, bien-aimé, notre destinée est liée au choix que nous faisons aujourd'hui. Si vous faites le choix de la loi, vous serez pris par le piège de la loi, vous serez toujours esclave de la loi, et par cela du péché, et in fine de la mort. Mais si vous choisissez la grâce, la grâce nous amène à la justification. La grâce nous invite à justice. Et la grâce nous donne la vie et non la mort. Des alliances différentes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'alliance de la grâce. Bien-aimé, parlons de la grâce. Je sais que tu as besoin de versets, on va les lire assez. Comment on a verset? On va les lire, et quand on va lire, et puis on va finir. Permettez-moi de vous dire ce que l'Esprit dit de vous dire. Si vous avez la mission, l'alliance de la grâce, par définition, je l'ai dit, c'est différent avec toute autre alliance. L'alliance de la grâce, c'est simplement la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu, mais assortie d'un serment. Dieu promet, et Dieu jure de ne plus revenir en arrière sous sa promesse. C'est ça l'alliance de la grâce. Ça veut dire, si Dieu nous fait grâce aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait déjà juré. Et comme Dieu a fait un serment, il est lié par sa propre fidélité. C'est ainsi que dans l'alliance de la grâce, il n'y a pas la fidélité de l'homme d'un côté et la fidélité de Dieu de l'autre côté. Non. Mais l'alliance de la grâce, l'homme reste fidèle et Dieu se révèle comme le seul fidèle. Dieu nous bénit. Dieu nous fait du bien. Ce n'est pas parce qu'il nous regarde que nous sommes améliorés, que ça marche maintenant bien. Non, Dieu nous bénit dans l'alliance de la grâce parce qu'il avait juré de nous faire du bien. Amen. Je vais bien l'expliquer. Vous savez, quand vous faites promesse à quelqu'un, que tu vas lui donner quelque chose, c'est une promesse. Pourquoi? Parce que la personne vous plaît. Le jour où tu prends la promesse, et le jour où tu veux exécuter la promesse, les choses peuvent intervenir pour t'amener à changer la volonté de ta promesse. La même personne qui te plaisait peut faire dans l'entretemps des choses contraires à l'amour que tu avais de lui. Et la promesse que tu lui as faite, au moment de l'accomplissement, tu ne le fais plus. C'est là où même Dieu, il compare les parents de la terre. S'ils sont, entre guillemets, un peu bien,
Combien plus forte raison lui dire? Parce que moi je peux promettre à mon fils. Eu égard à sa conduite. Je dis qu'à la fin de l'année, je vais rester ça. Mais je peux changer. Si avant la fin de l'année, l'enfant s'est méconduit. Il dit j'avais promis que je ne ferais plus. Parce que tu m'as déçu. On t'a engrossé ou bien tu as engrossé. J'ai promis de faire ça. Mais je ne le fais pas. Voyez la nuance. J'ai promis, mais je n'exécute pas. La convicité. Mais avec Dieu, l'alliance de Dieu, c'est une alliance qui est assortie d'un serment. Dieu a juré. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, je te bénirai. Ça veut dire quand Dieu vient te bénir, il n'a pas besoin d'écouter ce que le diable lui dit. Que béni que tu veux bénir, il ne marche pas bien. Le diable te présente comme étant mauvais. Mais quand Dieu te regarde, il y a toujours des lunettes que Dieu peut porter avant de regarder. Les lunettes que Dieu porte avant de regarder, c'est les lunettes du sang de Jésus. Quand il va porter ses verres du sang de Jésus, il va te voir pur, justifié, imputé à justice. Et Dieu te bénira parce qu'il a décidé de le faire. Sur la vie de Dieu, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont dans Jésus, il n'y a aucune condamnation. Pour tous ceux qui sont dans Jésus, l'œuvre de Jésus nous impute à justice. C'est ça l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce. Dieu n'agit pas par la méritocratie. La méritocratie ramène la gloire vers les hommes. Oh, nous avons un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas partager ça. C'est un cycle. Vous savez, il y a des erreurs que même les hommes qui veulent être le plus parfait au moins que nous, les hommes de Dieu, Dieu va lui-même te bousculer. Tu vas te bousculer, tu vas commettre une erreur, tu vas te briser. Tu vas commettre une faute qui va te briser. Les fautes que nous commettons, ce ne sont pas les envoûtements, mais Dieu lui-même. Parce qu'à un certain moment, on va commencer à se sentir que mes efforts de la justice, mes efforts de la sainteté, donne ça. Et Dieu va te faire briser. Et là, tu vas te sentir faible devant toi. Regarder comme un enfant triste, il va te dire dans sa mère, il va te dire, tu ne dépends pas par tes propres efforts, c'est ma grâce, c'est ainsi que l'apôtre Paul, le plus grand apôtre, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a dit même qu'il a travaillé plus que les autres apôtres qui étaient avec Jésus. Mais quand il a prié Dieu, donc, à cause de l'échec qu'il avait, Dieu lui a dit, ma grâce, c'est ici. Et chaque fois que cet homme faisait des miracles extraordinaires, s'il faisait sa nourriture, il regardait sur l'échec. Il comprenait que c'était pas lui. Avec Jean Laté. Parce que si c'était moi, j'allais commencer à dire. Cela les brisait, les gardait dans l'humilité, et la gloire revenait à Dieu. Mais quel est le genre qui est pas tu ne seras pas béni. Ne comprends pas mon dans l'alliance de la grâce. La voyage en Golou. Je dis tu ne seras pas béni. Ne comprends pas mon amateur à cause de tes propres efforts. Il y a des gens qui se sentent mieux que les autres. Bon, tout le monde se gêne. Cinq jours. Moi, j'ai pris toutes les nuits. Mais tout le monde moi, en tout cas, je marche. Il n'y a pas de péché en moi. C'est un menteur. Lui a dit celui qui s'est dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur.
Si il sent que Dieu est obligé de le bénir. Mais c'est que j'ai toujours remarqué. Tous ceux qui se prévalent saint devant Dieu, cela produit un orgueil qui ne dit pas son nom. Il se sent être le privilégié de Dieu. Regarde-moi, il faut commencer par moi parce que je suis meilleur que les autres. Ces gens ne sont jamais bénis par Dieu. Observez-les. Ils ne sont pas venus par Dieu. Vous verrez les êtres faibles que tu récupères facilement. Parce qu'ils ont un cœur disposé. Ils croient que je ne fais pas. Mais j'adhère parce que quelqu'un a pris ma place. Et Dieu est béni. Amen. Savez pourquoi Ésaü n'a pas été béni? On ne peut pas dire Ésaü pour moi la matin. Jacob a été béni en lieu place. Jacob pour moi est scandalé. Parce que si Ésaü était béni, je ne sais pas pour moi la matin. La gloire reviendrait à Ésaü. Que veut dire que je ne peux pas naïe? Ésaü allait dire. Ésaü vient Goloba. Heureusement, je suis un homme fort. La savoir comment casser. Un homme habile. On t'a dit qu'on Goloba. Dans un temps record. Attends à mon cœur. J'ai cherché du gibier. J'ai trouvé du gibier pour mon père. J'ai préparé le gibier pour moi. La méritocratie. C'est cela que mon père m'a béni. Il a raté la bénédiction. Cependant, Joka, Jacob, Jacob, il a été béni pourquoi? Parce qu'il a cru à la grâce. Jacob vient devant son père. Tout ce qu'il a amené n'est pas de lui. Sa maman a trouvé la viande. Il a préparé. Il lui donne ce après. Je n'ai pas transpiré personne. Je n'ai pas tué cet animal. Je n'ai pas préparé. Il a mis quelque chose qui ne venait pas de lui. Deuxième chose, on prend l'habit. L'habit qui était l'habit de son frère, on lui a fait porter. Ce n'était pas son habit. Il vient devant son père. Son père le touche. Il touche. L'habit, ce n'était pas son habit. Il lui donne à manger. Ce qu'il mange ne venait pas de lui. Ce que lui avait, c'était que sa voix. Son père lui dit le corps, comme le corps d'Ésaü. Et la voix. Mais pour la grâce, on doit avoir la voix pour demander. Ce n'était pas ses efforts. Mais quand il a été, c'est ainsi que quand nous parlons de la grâce, la grâce que nous avons, c'est Jésus. Donc, il est à Jésus. Suivez-moi très bien. La grâce, c'est Jésus. Ngolu est à Jésus. Donc, on dit ça, Jean 1. Jean 1. La vérité et la grâce sont venues avec Jésus. Selon nous, il y a qui dans Jésus. Mais quand nous regardons Jésus, tant que nous avons Jésus, est-ce qu'il nous a sauvés en Jésus? Nous n'avons pas besoin de faire. En regardant Jésus, nous voyons deux choses. La côté de la Jésus, nous avons le rôle de balai. Il y a son corps. Je te baille. Il devait trouver. Il devait frapper, il devait fragiler. Babeta, Batou Baye, Batou Bolosete. Deuxième chose, il y a Mibale, il y a son sang, Makila. Ce sont des choses qui l'ont commis Balé qui constituent Jésus. De sa vie, Yeshua. Cela veut dire que ce sont ces deux choses et ça, l'ont commis Balé qui constituent la grâce. De sa Lombolo. C'est ainsi, bon Bolde. Quand Jésus voulait aller à la croix, tant que Yeshua n'est pas le Koulous. Pour aller accomplir l'alliance de la grâce, il avait réuni à Sangisaki les 12 dans la colo. Je vais aller sauver, mais je vais commencer par parce que je l'ai dit jusque du temps de Jésus, les pieds étaient sous la main.
Oui, parce que la Bible dit le testament a de l'influence et valide amen. Si la mort du testataire est confirmé. Amen. Testament est joie comme Dieu en amour. Ce qui vous doit combien mort a confirmé. Jésus n'était pas comme nous. Il s'était encore sur la loi. C'était sûr que lui-même. Il est venu sur la loi. Son corps et son sang. C'est ainsi que Jésus va leur dire. Il est réuni à son Il va faire pour le pain. Il va prendre la coupe. Il a dit ceci. Prenez ceci. Bonjour. C'est quoi? Les amis. C'est quoi? Amen. Prenez cette coupe. Jean Kenny Hall. Il a dit. Amen. Cette coupe, c'est le sang de la Amen. Nouvelle. Amen. Amen. Alliance. Amen. 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 L'ancienne alliance. L'alliance de la loi. Pierre. Pétero. Jusqu'au dernier jour, tu es incapable. Non, moi. Je suis juive. J'observe la loi. Je te dis. Tu vas me réunir trois fois pour te montrer que la loi ne peut pas te sauver. Salut, ne vis pas dans la loi. Mange ma chérie, tu auras la vie. Amen. Et sans que je vous donne, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Jésus a pris ce disciple dans le jour où il a introduit. La nouvelle alliance. Après là-bas, il les a laissés tout droit à la croix. Pour nous qui étions là au bas de la croix, nous avons attendu que Jésus mort. Les disciples nous ont précédés. Les gens sont de la colère. La mairie Makila, qui sont aux Anastasia, les gens sont Makila, les gens sont en train de la mission. Ils sont en train de la toi et lui, viens seulement. Si je viens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer si je serai. Quelles sont les conditions? Conditions. L'alliance de la grâce n'a aucune condition. Condition. L'homme est appelé seulement à croire. À l'œuvre que Jésus a fait à Golgotha. Si tu crois, quel qu'en soit ton problème. Ta position. Mais si tu crois que Jésus-Christ, il est allé à la croix, il s'est donné un sacrifice. Le sacrifice que Dieu a approuvé. Un travail parfait. Total. Complet. Achevé. Il n'a rien oublié. Si tu crois, tu adhères à l'alliance de la grâce. Au cours de sa parole, tu es sauvé. L'homme n'a pas les efforts à faire. Pour devenir chrétien. Pour devenir enfant de Dieu. Tu t'es inscrit dans quel état civil? Au cours de l'état civil, ni. Loba. Tu es sorti de quelle maternité? Au niveau de l'hôpital, ni. Et qui t'a moto à ni. Tu as fourni quel effort? Mais il dit. Allô, ni. À tous ceux qui Amen. Yes. La bagnole sur ma à ceux qui croient. Il est dans le pouvoir. Après, c'est mon bifond. Et devenir. Yakokoma. Enfant de Dieu. Amen. Amen. Yuka. Devenir enfant de Dieu. C'est une position dans l'alliance que Dieu nous a donnée. Et puis maintenant, moi, je m'appelle Bishop Yokani. Aucune alliance. Mon côté.
aucune alliance n'a fait de l'homme un enfant de Dieu. Et ça, on doit le dire. Amen. Amen. Tu ne sais pas? Adam n'était pas un enfant de Dieu. Adam n'était pas un enfant de Dieu. Tu ne sais pas ça? Oh, évitez. Abraham n'était pas un enfant de Dieu. Abraham n'était pas un enfant de Dieu. Jacob, il était ami de Dieu. Moïse n'a pas un enfant de Dieu. Allez, on s'en va. Moïse était serviteur de Dieu. Non, oui. Il n'était pas un enfant de Dieu. Moi, n'en ai pas été. Aucun de ces hommes était un enfant de Dieu. Moi, n'en ai pas été. C'est une aberration. Et ça, qu'on m'a dit. Quel fils se prie. Moi, n'en ai pas été. Dis-le à Dieu. Oh, n'en ai pas été. Donne-moi. Pesaga. Ce que tu avais donné. Oh, Pesaki. À Noé. À Noé. Non. Noé n'était pas un enfant. Tu as des amis qui te cherchent, tu as des travailleurs qui travaillent pour toi, la relation d'un père avec son travailleur, avec son ami, est différente de sa relation. Parce que ce que je dis a manqué de mots pour prier pour nous dans la dernière prière. Il a dit dans la prière, ça s'est passé. Père, toi en moi. Moi en toi. Et en moi. Je veux que là où je serai, que je sois aussi. Je ne suis pas un serviteur. Tu es sous l'alliance de la grâce. Sous l'alliance de la grâce. Tout a été accompli. Tout a été fait. Tu n'as pas les efforts à faire. Tu n'as qu'à croire. Quiconque croit sera sauvé. A combien qui sait? La Bible ne savait pas dire que quiconque obéit, quiconque marche avec tous les commandements, même de ne pas mettre le point, il va entrer. Quiconque croit sera sauvé. Je vous ai dit, bien-aimé, observez même. Comme je vous dis, il faut chasser la loi dans votre vie. C'est avec raison que je dis.
Regardez la marche des enfants d'Israël. Ils quittent l'Égypte. Avec Moïse. Ils viennent prendre l'obstacle. Mais rouge. Ils ont murmuré. Les plus grands péchés des enfants d'Israël étaient les murmures. Les chouma mon nana des Israélites ko imaima. Ils ont murmuré. Bayimini. Dieu les a tués. Dis-moi comment mambo. Je pose la question. Dieu les a tués. La tuni yalo la. Quelle punition Dieu les rade. Et tout monde y a besoin d'abord. Loba. Il y en a pas. Exacte. Ces enfants jouissaient de quoi? Madame vous parlez. De l'alliance d'Abraham. La boyoka ni na balam. Il jouissait de l'alliance d'Abraham. L'alliance de la grâce. Ils ont avancé. Ils avaient soif. Ils ont murmuré. Ils ont murmuré encore. Dieu ne les a pas tués. Moïse. Moïse. Frappe. Ils ont pris. Ils ont continué. Dieu n'a pas pris. Dieu n'a pas frappé. Mais les jours où ils ont eu le commandement de la mort, c'est le jour où la mort a commencé. Ils ont désobéi, ils ont désobéi, ils ont désobéi, ils ont désobéi, ils ont désobéi. Hey, je ne suis pas de cette alliance de terre. Ne te donnera pas de salut. Mais cependant, Joka, après Moïse, la il y a eu quelqu'un qui est venu. Il s'appelait qui? Josué. Joshua. Josué veut dire. Joshua. Joshua veut dire. Jésus. Donc la loi. La loi est sourde. Jésus est équipé. Je vous fais entendre comme ici. Ah, que je parle à quelqu'un. Là où la loi échoue avec Moïse, Jésus a récupéré, Jésus les a fait entrer en terre promise. La loi ne te sauvera pas. Ne t'accroche pas sur l'alliance de la loi, et sur l'alliance de la grâce. Et j'aime la grâce. J'aime la grâce. La grâce amène Dieu à nous inviter. L'invitation, c'est sous les résultats. Et ça va boumma. Ça fait de réfléchir en termes de comptabilité analytique d'exploitation. Quand on parle de l'imputation, on a dit qu'on nous voilà. Ça veut dire ce que cela doit donner à la fin. Et nous, c'est là qu'il y a une personne à la chouka. Dieu, Zambé, à la fin, la chouka, c'est le péché et quelque chose qui allait être constaté. Mais il y a qui est mon essence. Mais parce que moi je crois, le coulant en dîme, Dieu prend ce péché, il a mangé du chemin, il est bon à Jésus. Après son mariage. Et là, c'est resté vite. Dieu va impéter la justice. Ah, juste pour recevoir. Où ici? C'est-à-dire, quand on va me regarder, on va regarder mon parcours. Le diable m'attend à la fin pour me présenter mon péché. Il verra que Dieu m'a impéter à justice. Nous allons relâcher. À l'œuvre de la croix. Parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas mourir deux fois pour le péché. C'est ainsi que quand il a parlé du rocher, au premier rocher, Dieu dit à Moïse, frappe. Jésus devait être frappé. Pour ta place, pour ma place. Mais à la fin, ils ont eu encore soif. Pour savoir les choses. Quand Jésus est déjà frappé, tant que Jésus soit juste, l'œuvre de la croix est déjà accomplie. On frappe plus Jésus pour la deuxième. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché qui peut encore remettre Jésus à la croix. Tout a été accompli.
Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rocher Libana qui a accompli cette œuvre. Pour le moment, il est où? Il est à la droite du Père. Comme il est à la droite du Père, on ne peut plus le taper. Mais il est là pour qui? Pour nous. Je joue quel rôle? On nous dit d'avocat, d'intercesseur. Et quand je viens devant le rocher, il y a un ça ne va pas. Je ne frappe pas Jésus. Je viens m'adresser à mon avocat. Je m'adresse à mon avocat. À Moïse. Nous ne pouvons plus frapper Jésus. Mais à chaque problème, nous allons parler. Nous allons parler à Jésus. Jésus, moi je crois qu'en allant à la croix, tu avais amené aussi mon problème de tuberculose, mon problème de cancer. Mais on vient de me dire qu'on est en train de voir des cellules malignes encore. Là, je m'intéresse à toi. Mais vis l'œuvre que tu as fait. Moi, je vais vivre maintenant la prostration de la guérison. La prière est finie. Nous avions mal présenté Dieu. J'ai dit, en mettant la sainteté en évidence, nous présentons un Dieu saint qui ne veut pas. Nous sommes impérieux, nous ne venez pas. Alors c'est devenu compliqué. Mais ton frère, quand je te dis les versets, tout ce que j'ai dit, la vie du verset, quand je dis pour ce que tu veux. Tant la personne qui a versé, tu suis ici. Non, t'es un Dieu d'amour. À Saint-Germain-Bolin, regardez un peu. Damn. Je crois que c'est dans un message, c'est pas Daniel qui m'a envoyé. Et voilà, on a dit, Dieu a dit, et il veut frapper le Congo. Et il y a Kakaka. D'abord, il y a une zambe, il y a un message pour frapper le Congo. Kakaka, il y a un Zambe. Et tous les gens de Congo, tu tiens la balance. Tous les gens qui sont en France, en Belgique, en États-Unis, tu tiens la balance, tu tiens la balance, tu tiens la balance. Comme on peut la voir par la bande, nous sommes à la bête, pour présenter ça, le nouveau ancien testament. Yassirika. Non. Et fais ça, frappe ta foi. Et fais ça, mot. Il va frapper pour frapper ta foi, la nuit. Pour la nuit. Mais vous savez que nous ne donnons pas bonne impression même à ceux qui nous entourent. Bien sûr, papa. Ce qui n'est pas le bien, à ma casse. Comment ça va faire? Oh, ces jours, je suis à la montagne. Gomba. Si tu m'en veux, bébé, c'est qu'on a le collègue. Non, mais il est là pour chercher ce Dieu. Ton locaïe, pensa, ton matin, vous voyez, l'homme quitte. Monte béni. Il monte la montagne. Abatté Gomba. Parce que Dieu est à la montagne. Pourquoi ça va faire le collègue Gomba? Non. L'alliance de la grâce, c'est Dieu et ensemble, qui descend et qui vient vers l'homme. Allez par mon Dieu, allez qui va aller chercher. Donc, Dieu, quand tu as arrêté. Non. C'est ainsi que quand Moïse, mais autant on sait, dans la loi, la robe, il descend de la montagne, a quitté la bombe. Parce qu'il a pu parler avec le peuple. Alors qu'il y a un beau temps, il devait se voir. Et c'est un cas de bombe le Dinaï. Il avance le peuple avec lui. Après, c'est le bateau au Kimaï. C'est ça la loi. Il y a un robe. Le voile là et tandoana qui voilait sur les hommes a resté seulement sur la loi. La Bible dit que ce voile était déchiré. 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 Et pas chouka. L'homme peut entrer du parvis jusqu'au lieu très saint. Il n'y a ni porte, écoutez, ça ni rideau. Rideau ça ou toi. À quel verre tu peux parler? Je suis tout à fait d'accord. Nous devons
le gymnastique spirituel, le jeûne, okila, la prière, l'ibondeli, le veiller, qu'on comme je dis toujours, tant va attendre les choses. Tout doit être l'expression de l'amour que nous avons de Dieu. L'amour que nous avons de Dieu. Si ton enfant est malade, tu te prives de dormir la nuit pour regarder ton enfant. Qu'est-ce qui te pousse à ne pas dormir? C'est l'amour que tu as de ton enfant. Quand l'homme s'est pris de dormir la nuit pour être à côté de sa femme, c'est l'expression de l'amour. Nous devons gêner, nous devons prier, nous devons faire des sacrifices de retrait des montagnes simplement par amour pour être près de notre Dieu, pour raison de dignité, mais pas pour raison d'avoir quoi que ce soit. Ça ne vient jamais par les épaules et ça ne viendra jamais par les épaules. Sinon le plus fort à gêner, le plus fort à prier seront toujours bénis, et ceux qui ne sont pas forts ne seront pas bénis. L'équité et l'égalité. Vous savez la différence? Ok, c'est les amis. Devoir à domicile. Allez vérifier ça. Donc, Luca. Équité, na. Égalité. Égalité. Luca, ok, c'est. Et Dieu est qui? Il joue à l'égalité ou à l'équité? Équité. L'égalité. Coco Kana. C'est ça qui est. C'est donner à tout le monde qu'on puisse en montant la même chose. C'est l'eau comme mon corps. La grâce Ngolo a été disponibilisée. Et puis ça m'est là qui pour tout le monde. Pour la montagne de la même manière. La même mais ce n'est pas l'équité. Il y a aussi l'équité. Regardez quand on réajuste vos salaires dans l'offre de travail. Est-ce que ça va mieux qu'on va salaire? On ne le fait pas par égalité. Ma salaire va monter l'égalité. On le fait par l'équité. Ils mettent en marche quoi la tension salariale. On prend 1 million. 1 million. On veut augmenter le salaire. Vous verrez que celui qui est en bas, au hasard, c'est où ici, il va bénéficier d'une augmentation de 40 000. Passez-moi 40 000. Celui qui est en haut, âgé, il va bénéficier d'une augmentation de 350 000. C'est ça l'équité. Il y a moins d'équité. Mais tu veux, c'est l'égalité. La même grâce disponible pour tout le monde. De la même manière, de la même condition, de la même environnement. Amen. Dieu est juste. Ça va assez bon. Les hommes ne sont pas justes. Moto, assez bon. Ce qui force à mes coupes, c'est qu'on dirait, moi, on dirait, grâce à qui n'a 800 000, grâce à qui n'a 400 000. Parce que c'est la vision, on se met là, 1 million, 1 million. Il y a combien de 1 million, 800 ? Il y a combien de 1 million ? 400. 400. Cela veut dire, mon salaire était le double de son salaire avant. Maintenant, ce n'est plus le double. Et les autres n'ont pas ça. Attends, il y a la pauvreté. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'aime Dieu. C'est ce que Dieu dit. Approchons-nous devant son trône de grâce. Amen. Approchons-nous de son trône. Pour obtenir quoi? Pour obtenir deux choses. La grâce et la miséricorde. Deux choses. La grâce. Golou. Parce que tout s'explique presque de la même manière. Et la nuance, c'est quoi? La grâce. Golou. C'est obtenir. Et ça pour joie. C'est que tu ne mérites pas. Oh le Seigneur qui te joie. On te le donne. Ma pêche. Mais la miséricorde. C'est ce que tu méritais. Comme punition, tu ne le mériteras plus. À cause de la misère. C'est ça le trône de Dieu. Il y a deux choses. Quand on arrive, le péché est brandi.
Non, je sonne. Le procédure. La miséricorde. La mort dans sa paix. Le châtiment. Et il était tombé sur moi. Et quoi qu'on a mis tombé sur Jésus. Et quoi qu'on a mis sur. On enlève ça. De l'oubliant. Et nous avons besoin de quelque chose. Tout ça n'a pas poussé le combat. Et nous ne méritions pas. Au de Seigneur la beauté. La grâce. Gomo. On doit marcher. Ces choses. Ce que nous trouvons dans le trône de Dieu. Qui sont les bénéfices de l'alliance de la grâce. Vous allez tomber en Golo ensemble. Très très important. Et ça va tout à ma case. Très important. Vous tout à ma. Commence par Ésaïe chapitre 54. Je voudrais que nous puissions les lire ensemble. Tous les versets, on va les lire ensemble. C'est ça la conclusion. Ces versets-là vont rester dans ton cœur. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Il est dit ceci. Et combien vous prends ta Bible, tu vas lire avec nous. Nous avons vu longtemps. Ésaïe 54. Ésaïe 54. 9 à 10. 9 à 10. La Bible dit ceci. Bible de Bible. Il en sera pour moi. Et qu'on sera pour l'angaï. Ça, c'est Dieu qui parle. Voilà, ça va, Zoroba. Il parle. À Zoroba. Je peux rentrer au verset 8 pour ta meilleure compréhension. Donc, voilà, verset 8 pour ce soir, madame. Dans un instant de colère, je t'avais un moment de remis ma face. La bombe de qui est au moment que nous guidons. Donc quand il est question pour Dieu de nous dérober sa face, ce n'est pas pour toujours, c'est un moment. Selon ce qu'on parle, c'est pas pour ceux qui l'ont guidé, c'est pas. Mais avec un amour éternel, parce que c'est le moment où il y a secours, j'aurai compassion de toi. Na kozala na mawa na yo. Pour la compassion, pour la mawa. Dieu met en évidence son amour éternel. Un amour éternel. Mais nous nous présentons aujourd'hui un Dieu qui a un amour par moment et une colère éternelle. Dieu n'a pas une colère éternelle. C'est momentané. Mais l'amour, c'est un amour éternel. Dis ton rédempteur. J'aurai compassion de toi. Dis ton rédempteur l'éternel. Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même. Écoutez le serment que Dieu fait pour toi. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Ça veut dire Dieu jure. Je ne serai plus en colère contre toi. De ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Il est éternel qui a compassion de toi. Tu as entendu la parole. Et Dieu qui a compassion de toi. Il a juré. Il a dit comme j'ai juré. Le roi de la pindale. Que les eaux de Noé ne tueront plus l'humanité. Et pour ma qualité, je jure encore. La pindale de Jésus. Ma colère était pour un temps. Quand elle était pour un temps. Celui qui a vidé la colère de Dieu. Oh, il a mis sa canne en sang. C'est Jésus à la croix de Golgotha. Ésaïe, je suis la. Il a vidé la fière de Dieu. Dieu dit, je ne suis plus en colère. Je vais bien sur ma canne. J'ai la compassion. Ma maoua. Je t'ai dit. La rémission. Je t'ai menacé. Ma côté, je l'ai jeté.
Regardons comment nous les hommes nous sommes tellement méchants. Et nous avons tendance à influencer Dieu à la méchanceté. Quand quelqu'un voit quelque chose de mauvais, un désastre, il dit ah, aujourd'hui le péché, de l'homme à et qu'il y a plein de mariages homosexuels. Ah, Dieu est plus colérique. Je marche la candidate. Ça c'est l'homme qui parle. Non, non, non. Sur une attaque ou un mot, c'est. Mais quelqu'un qui est connu, c'est la colère de Dieu. Il y a un seul autre qui est la colère de Dieu. J'aimerais te dire, si cette colère était encore, même toi qui souhaites cette colère, tu serais déjà consumé avant de le souhaiter. Amen. Nous jouissons de la grâce. Et dans la grâce, Dieu dit, je te dénoncerai. C'est la parole du Seigneur. Je commence par le prophète pour finir dans l'Ancien Testament. Comment le prophète parlait déjà de l'alliance de la grâce. J'ai pris le prophète Esaïe. Après Esaïe vient qui? Jérémie. Prénom Jérémie 31. En tout cas, Jérémie 31. Les prophètes ont parlé de ça. Parce qu'on va ouvrir en boulot. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Donc à Jérémie. Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 31 à 34. Verset 31 à 34. Et puis je vais prendre Jérémie 31. Voilà, Jérémie 31 dessus. Écoutez ce que Jérémie dit. Voici les jours viennent. Un prophète parle sur le futur. Et nous, nous faisons partie de ce futur aujourd'hui. Voici les jours viennent. Dit l'Éternel. Où je ferai avec la maison d'Israël. Et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Et qu'on a dit la voix qu'on a salé ma papa la bango. Pour le faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoi que je fisse à leur maître, dit l'Éternel. Il était leur père. Non. Il était qui? Leur maître. Leur maître. L'alliance de la loi. Dieu est maître. Mais voici. Kassita. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, Dieu l'Éternel, je mettrai ma loi. Est-ce que sur les tables de témoignage, sur les tables de pierre, non. Dieu dit, je mettrai ma loi. Et dedans, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Lui, celui-là, son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous les connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. L'Éternel, car j'ai pardonné leurs iniquités. Je me souviendrai plus de leurs péchés. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer? L'alliance de la grâce. On ne doit pas vous rappeler les péchés passés. Est-ce que ce n'est pas un péché passé que tu as fait? Au moins, tu penses à la question de Chou, mais quand il y a le col à col. C'est ce que même quand les disciples. Interroge Jésus, mais c'est pas fini avec qui a péché. Moi, non, là, où c'est pas. Il y a un souci, mais tu vas voir. Jésus n'a pas regardé ni l'enfant ni ses parents. Il a dit ni l'un ni l'autre. Bamoté, parce que bébé, quand vous écoutez, quand je parle du péché, de votre logement de vous savez, quand on a mené l'agneau pour la rémission du péché, donc on a dit maman n'a pas été pour l'envoyer, mais c'est un souci. Quand l'homme amène l'agneau pour le péché qu'il a commis, on ne contrôlait plus, on n'inventoriait plus le nombre de péchés que l'homme a fait, la nature de péché qu'il a fait. Il les a fait comment? Combien de fois?
non des mais l'attention était focalisée et quand on marquait sur la qualité de la nuit de l'offrande dans le lingam à l'amour il y a un béca. C'est ainsi que en matière de péché on ne peut pas en réalité nous amener à inventorier, à déraciner, à chercher des péchés, des péchés. Je pense aussi, je pense aussi, je pense aussi. Non, devant Dieu, ce qui a compté, ce ne sont pas les péchés que tu as commis, autant de fois que tu les as fait, mais ce qui compte, amen, c'est la qualité du sacrifice de Jésus comme agneau qui a été donné. Parce qu'il était dit, amen, l'agneau qui est donné doit être sans tâche, sans défaut, sans rite. Amen. Sans ceci. Amen. Ça dit qu'on était focalisé. Amen. On t'a mis sur l'agneau. Voilà, la bonne idée. Non, sur les péchés. Là, mon gosse, mon guide. Pourquoi aujourd'hui vous voulez être focalisé sur les péchés? Non, mais sur l'agneau immolé de Dieu. On n'a pas été catholique qui m'a enzambé. Regardons l'agneau. Totalement emporté. Sans défaut. Ah, ça va. Mais la bête prie pour nos péchés. Ah, je vois ma chouba, monsieur, ma chouba. Pour nos péchés. Ma chouba, ma chouba. Je l'ai dit ici, dans ma caméra, si on va encore parler des problèmes de péché à l'église, la réalité est que 99% de nos chrétiens ne sont pas des chrétiens. Ce sont seulement des personnes qui viennent à l'église. Et ça fait beaucoup d'années à l'église. Parce que ce que je t'ai dit, on a joué du salon. C'est parce qu'on. Et se passe quand l'on donne son cœur à Jésus. La Bible dit un seul endroit où Jésus a fait le fouet, il a frappé. Quand Jésus entre dans ton cœur, le travail qu'il a à faire, c'est de sanctifier, de purifier. C'est là où j'ai dit quelqu'un qui vient en église. C'est vrai, les femmes porter les pantalons, c'est mauvais. Parce que les pantalons, ça m'a dit. Donc, c'est pas vous dire à la porte que vous avez les pantalons, n'entrez pas. Donc, le pantalon, on a besoin de venir tel que vous êtes. Que Jésus pénètre à vos cœurs. Tu te regardes. Tu diras, mais je suis là, ça m'a bon. J'ai mal porté. Là, tu m'as dit. La sainteté qui me sent a commencé de l'intérieur. Il est sorti de l'extérieur. C'est ça le travail de Jésus. Il entre d'abord. Et quand il va entrer, il se fera le fouet. Pour chasser. Pour tout ce qu'il va trouver en toi. Le mensonge. Le vol. La tilté. C'est ainsi que quand on dit parler de la grâce, n'excuse pas du péché. Pour le dire en soi, il n'y a même pas lié. On parle du péché, parce que c'est lui qui est mort avec le Christ. Il est mort dans les péchés. Mais quand il est ressuscité, il sort des eaux du baptême. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est dans les péchés. Parce que la Bible dit en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Bien aimé, la Bible ne parle pas d'une créature améliorée. Une créature façonnée. Tu n'es pas améliorée. Tu n'es pas façonnée. Mais c'est une nouvelle. Une nouvelle alliance pour de nouvelles personnes. Pour de nouvelles créatures. Tu étais l'ancienne créature que Dieu a créée pendant 6 jours. Cette créature a péché. Mais quand Jésus est allé à la croix, il est descendu aux enfers. C'était pas qu'il était dans le tombeau lui. Il attendait 3 jours. Il est allé aux enfers. Régler les problèmes de profondeur. Et quand Jésus est ressuscité, quand nous ressuscitons avec Jésus, la Bible dit nous sommes pas l'ancienne créature. Pas une créature transformée. Mais une nouvelle créature. En soi, on veut dire que on ne peut pas parler du péché à une nouvelle créature. Mais si dans la grâce, il y a des gens qui vivent encore dans le péché, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu. Le vrai problème, vous devez reprendre la prière et donner vos cœurs à Jésus. Et ça doit être un acte. Consciencieux, un engagement, et d'une bonne conscience. Je vous dis,
na émission. Nous avions vécu cette vie. Je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui il n'y a plus de conversion. Aujourd'hui les gens viennent se marier. Mais il y a plus de 20 ans. Quand nous étions convertis, bien aimé, c'était des conversions réelles. Tu es converti aujourd'hui. Tu ne sais plus me toucher la bouteille de la bière. La bouteille, c'est moi. Tu sors de suite. C'était automatique. On venait avec nos cœurs à Jésus. Mais aujourd'hui, regardez combien je regarde la montre. La porte à l'onge. Je fasse vite, non? On vit ce soir. On mange la viande de chèvre, la viande de yangoulou na capella. Vous voyez, c'est ça. Nous fidèles d'aujourd'hui. Ce sont des païens. Bapagano. Qui fréquentent l'église. L'alliance de grâce. Ce n'est pas l'alliance pour vous les païens. Qui fréquentent l'église. Exactement. Mais ce pour Exactement. Ce qui donne réellement, totalement, leur vie à Jésus. Les choses, les anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là l'espérance de la gloire. Il veut le Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ qui n'était pas en moi, tu espérais à la mort, tu espérais à la malédiction. Mais comment tu peux continuer à espérer à la malédiction, espérer à la mort tout en ayant Christ en moi? Non, je vous prêche des choses que nous vivons. Bien aimé, près de 30 ans où je sers Dieu, je fais partie des gens qui énervent le diable. Et le diable cherche à tout moment. Mais il y a des choses qui me donnent la garantie. Vous savez, même le diable ne peut pas accéder dans mon toit, dans ma chambre. Il a des limites. Parce que j'écris que le diable était c'est un serpent qui fait peur et qui ne peut plus rien faire. Parce qu'à la croix, la tête du serpent a été détruite. Si pour un serpent, la tête était détruite, il n'a plus rien à me faire. Même s'il jetait sur moi, il va commencer à sauter, à se jeter dans le camion. Mais le vrai problème, le chrétien panique. Le chrétien fuit en regardant en distance un serpent sans tête qui vient de se jeter. Mais moi je ne fais pas. Là, je sais qu'il va se jeter dans tout le sang jusqu'à se faire lui-même mal. Mais aucun mal. Ma côté. La promesse me dit aucun mal n'est arrivé. Côté. Parce que le mal ne pouvait venir qu'avec la tête du serpent. Il n'y a ni venin, ni dents, pour que le serpent puisse faire. À la croix, Jésus-Christ a marché sur la tête. Mais ça, c'est une croyance. Je crois à cela. Et je m'adresse au diable. Que tu ne perds rien contre moi. Ça fait des années et des années que je dis au diable, il ne perd rien. Il ne perd rien, il a prouvé ça. Il a prouvé qu'il ne perd rien. Attends, c'est qu'il y a pour quel côté. Il ne perd rien. Écoutez, j'étais encore païen. Je ne connaissais pas encore Christ. Il va te Christoter. Je vivais comme ça. Le diable ne m'a rien fait. Et maintenant, je suis de la dernière prière de Jésus. Moi en lui. Lui en moi. Dieu en nous. Et qui va me toucher? À Kouta, Wapi. Viendrait tout. Je crois à cette parole. Et je le vis. Des années et des années. Mais toi, tu as peur de ce moment-là. Tu c'est une source. Maman, on a compté la mission. Tu as missionné un doc. Tu vois, ça tremble. Bah, nous, on est là. Non. Bon côté. Moi, je connais le combat des sorciers de bourgeois. Là, il y a même tout le monde qui a l'air de l'ignorer.
des mandataires du diable. Oh, mais Satan a atteint, a pris sa mokanda. Une sorcière a dit non, moi j'étais on venait la mission chaque fois que tu viens, que je viens t'ouvrir la porte. Quand j'ouvre la porte, je jette l'envoûte. Allez, là, ok, là, mon papa m'a dit. Quand tu entres avec ta voiture, au bout d'un mois, tout cas, envoûte. Bien, bien, mon papa m'a dit, lâche-la. Tu en as fait combien de fois? Autant de fois. Et délai. Combien d'envoûte m'a saisi? Bonne estime là. Zéro. Tu ne peux pas commencer à entrer chez moi en train de prier la grâce. Ça, c'est la peur. La vérité avec moi, c'est la chanson que je chante. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle. Amen. Je suis envoyé les anges à perpétuité. Amen. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. J'ai l'assurance. Vous affirmez, vous apprend l'assurance du salut. C'est le défi des enseignements. Vous devez avoir l'assurance. L'assurance. Je vais lire le verset. C'est sorti à la fin. Jérémie 32. Il a encore dit quelque chose. Verset 37, je pense. Jérémie 32, verset 37. Il dit, voici, je les ressens. Je les rassemblerai dans tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur. Et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ce lieu. Et je les y ferai habiter en sûreté. Ça, c'est bien dit. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il quitte. Il n'est plus maître. Mais il dit, mais il sera leur Dieu. Leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur. La compresse à mon thème, mon corps, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Voyez là où se pose le problème de la crainte de Dieu. Dieu nous impose ça dans son cœur. Et nous le craignons. Ça devient notre nature. Et comme le lien, il n'y a pas d'effort à fournir. Ça coule de soi-même. Quand tu n'as plus Jésus, ça devient difficile. Il faut répondre ta prière et donner la vie à Jésus. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et il parle de la crainte. Sur la loi, c'est que tu es chez toi, il mettra ça sur la loi. Non. Il dit quoi? Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme, car ainsi parle l'Éternel. De même, j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs. De même, je ferai venir sur eux tous les biens que je les réponds. Tous les biens, ça arrivera dans l'alliance que Dieu a fait. Mais bien aimé, quand nous allons dans la perfection de l'alliance de la grâce, Dieu a quitté d'abord, il était maître pour l'alliance de la loi. Dieu promet à qui? Pour l'alliance
de la grâce, tu seras notre Dieu. Mais écoutez ce qui s'est passé à la croix. Quand vous lisez toute la Bible, vous verrez que Jésus, il n'a jamais appelé Dieu Dieu, non. Il l'appelait toujours mon père. Papa Nangai. Parce qu'il était fils. Quoi que moi dans mon bal. Mon père. Papa Nangai. Mais le jour où il est allé à la croix, parce que mon colo est à Kene Koulousou, il devait faire de ses pères. Et ce n'est pas comme ça la tata n'a eu. Notre père à nous. Papa n'a pu choper. Qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, on y a ça là. Il arrive à la croix. Comme il est Koulousou. Le châtiment est tombé sur lui. Ma paix, quoi il colonna eu? La punition est tombée sur lui. Et tout le monde, quoi il colonna eu? Le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Et tout le monde a le corona Jésus. Pour la première fois. Pour la malade de chaud. Jésus s'est soustrait d'appeler Dieu son Père. A béni sa bête a été. Il dit ceci. Alors, oui. Pour la première fois. Pour la malade de chaud. Et après ça, il n'a jamais appelé. Il n'a pas appelé jamais Dieu. Mais là la croix. Il appelle. Abengi. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pendant ce moment où il y a eu la substitution. L'homme a laissé la place à Jésus. Jésus a laissé la place à l'homme. Jésus a porté le péché de l'homme. Il a appelé ce jour-là, pour la première fois, son père, Dieu. C'est à partir de ce jour-là qu'il nous a donné le pouvoir. Après, nous sommes plus forts. De ne plus appeler Dieu, Dieu. Et de l'appeler maintenant notre Père. C'est là que la paternité de Dieu s'est révélée. Il n'est plus notre Dieu, mais il est notre Père. Amen. Notre Père. Papa la Bicho. Notre position a changé. Parce que Dieu, Jésus avait pris notre position. Et l'homme a pris la position. Un fils. Moi. Quand il vient demander à son père, il a la garantie avant de demander qu'il aura ça. On a augmenté le minéral. Minéral est matière. Ah, c'est pas son souci. Hein. Il amène le billet de vacances. Papa. Il dit père, papa est, c'est ça. Tata, Minerva et Mathieu. On a augmenté. Et Mathieu. C'est fini. Et si. On m'a dit lundi si je n'amène pas mes chasses. Lundi ce qui n'a qu'à monter la jeune dame. L'enfance limite là. Moi la chou kakawana. Et en allant, il s'est venu dire c'est pas le compte. Avec le nia vous allez créer. Il croit. À Dimi. À lève. Dans mon sala. Que son père est capable de faire. Pourquoi il ça? Il croit ça. Avant ma carte. Et quand nous prions, devons prier comme des fils et des filles. Et vous comptez, vous êtes au bon endroit, prions pas comme des créateurs. Des créatures. Qui s'adressent à un Dieu. C'est ainsi. Les diables pouvaient créer des petits dieux. C'est un vrai qu'on va s'améliorer. C'est que le diable n'a pas pu créer. Voilà pour ça la tête. C'est créer un père. Et ça pour ça la tata. Avoir des dieux, mais pas de père. Étant incapable de créer un père, papa lui-même s'est fait père. Il m'a rendu comme si tata. Il a dit alors, voyez maintenant, il ne sera plus lui-même père. Moi aussi, je suis votre père. On ne parle pas de ta père, le père du mensonge. J'aime le diable. Mais quand il vient te séduire, même quand il vient te menacer, il commence par se présenter. Voilà que tu me vois. On m'appelle Satan. Lucifer, le diable. En faisant ça, il te dit que je suis le tentateur. Je suis l'accusateur. Je suis ceci. Je suis cela. Il finit par te dire, et in fine, je suis le père du mensonge.
avant de parler. C'est-à-dire, il te signale que tout ce que je vais te dire, comme je ne t'ai pas salué, ça veut dire que je te mens déjà. Et tout ce que je vais te dire, ça veut dire que les mensonges. Parce que lui ne salue même pas déjà. Il a les peurs de mensonges. C'est ça le diable. Mais comment voulez-vous croire à ce qu'il dit? Non, bien-aimé. Après Jérémie, il y a quel prophète? Bon, je sens Ézéchiel. Ézéchiel en a parlé. Après Ézéchiel, c'est qui encore un prophète? Non, pas Daniel. Daniel était. Daniel était prophète. Aïe, ça, comment ça roule? Il était prophète. Daniel. Daniel, après Daniel vient Osée. On va voir Osée. Osée, chapitre 2. Osée. Tous les prophètes ont parlé. Tous les prophètes. Si vous voulez lire, allez lire Ézéchiel 16 à la maison. Tu peux voir Ézéchiel a parlé aussi. 60 à 62. Ézéchiel 16, 60 à 62. Ézéchiel 34, 25, parce que là, il a encore parlé. Alors, là, on peut la 34, 25. Je prends Osée. Chapitre 2. Osée, chapitre 2. 18 à 22. 18 à 22. Il dit ceci. En ces temps et en ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras. Mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus dans, par leur nom. En ce temps-là, je traiterai pour eux une alliance avec le bête de champ, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre. Je les ferai reposer avec sécurité. Il n'y aura plus de flèches, il n'y aura plus l'épée, il n'y aura plus de guerre pour toi. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Pourquoi il est notre fiancé? C'est par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. L'alliance et la grâce, nous ne voyons pas la droiture chez l'homme. Non. Nous ne voyons pas la justice de l'homme. Mais Dieu lui-même, il dit, il sera la justice. Lui-même sera la droiture. Lui-même il sera la grâce. Lui-même il sera la miséricorde. Lui-même il sera la fidélité. Qu'est-ce qu'il te demande? Toi, dans cette alliance, entre seulement, adhère seulement. Tu n'as pas une condition. Lui-même va prendre sa parole, il va l'écrire dans son cœur. Et cela va produire naturellement en toi la sainteté, la vie de sanctification, que tu n'auras pas à regarder sur le livre de la loi. Mais ça sortira de ton cœur. Parce que le Saint-Esprit le fera jaillir en toi à perpétuité. À perpétuité. 1 Corinthiens, le dit, nous sommes dans le Nouveau Testament. Deux, trois versets, on finit rapidement. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Paul, voilà, Thomas Polo, l'homme de la grâce. Il ne pouvait que parler de cette alliance. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. Il est dit ceci. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Vous voyez là où la grâce est dangereuse. J'ai parlé que la grâce est plus rigoureuse que la loi. La grâce ne nous excuse pas, ne nous donne pas la liberté, la jungle du péché. Mais la grâce n'est pour elle ne peut plus nous voir dans le péché. À cause du corps de Jésus qui a été fragilé, brisé. Le corps de Jésus a été brisé. À cause de son sang que nous avions pris. Mais il dit ceci. Vous qui buvez le sang de Jésus. Vous qui mangez sa chair. Vous qui venez à l'alliance de la grâce. Il dit ceci. Ne le faites pas indignement. Ça sera envers vous le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Tu dois t'éprouver si oui tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois t'éprouver si oui tu es prêt à faire de Jésus ton Seigneur que tu dois obéir, à faire de Jésus ton maître que tu dois suivre. Ne fais pas cette prière comme beaucoup les ont fait. Indignement. Manger la chair. Boire le sang. Indignement. C'est accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour ne plus lui obéir. C'est prendre la coupe de Jésus indignement. Écoutez ce qui vous arrive. Et tu vas vérifier. Si cela ne t'arrive pas. Il dit ceci. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est ça l'alliance et la grâce. Tu y accèdes en minimisant, en négligeant, en sabotant l'œuvre de la croix. Tu viens, tu entres et tu crées la foire du péché. Tu l'as fait indignement. Et il a dit qu'est-ce qui va arriver. Verset 30, je suis par là. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, qu'un grand nombre sont morts. D'où vient la mort? D'où vient les maladies? D'où vient tout ça? Ça vient à cause d'accéder à l'alliance et la grâce indignement. Tu entres pour jouir du bonheur, mais là-dedans, tu t'en fous de l'œuvre de Jésus. C'est là où la vie du péché, dans l'œuvre de la grâce, amène la mort, amène le maladie, les infirmités. Nous devons le prendre avec le faire dignement. Très très important. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ.
par notre ministère avec de l'encre. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons pour nous-mêmes coupables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Qui Amen. Va lire jusqu'à la fin. Et on nous présente cette alliance comme une alliance de gloire. L'alliance de grâce, c'est une alliance de gloire. Une alliance de gloire. Je finis par Hébreux chapitre 8. Verset 6 à 13. Hébreux chapitre 8, verset 6 à 13. Romains 8, 6. Hébreux 8. Hébreux 8. 6 à 13. 6 à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente. C'est l'alliance de la grâce. Qui est assis sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, alliance de la loi, si ça n'avait pas de défaut. Non, mais ceux qui disent, vous prêchez la grâce, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que la grâce, je dis, la grâce était imparfaite. La loi était imparfaite. Elle avait des défauts. Elle avait des défauts. Si l'alliance, cette alliance, avait sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression des blâmes que le Seigneur dit à Israël, voici, le Seigneur vienne. Dit le Seigneur. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, Dieu sait le dire. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon père. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère. En disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En 10 ans, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt de faire quoi? De disparaître. Amen. La loi doit disparaître et la grâce doit apparaître. La loi doit disparaître pour que la grâce apparaisse. Si tu gardes la loi dans ton cœur, la grâce ne va pas se révéler. Chasse
la loi de ton Dieu. Accepte la grâce et tu seras sauvé. Parole du Seigneur.